encore en retard. C'était prévisible. Bakugo a dû comprendre que la mission pour laquelle je l'ai contacté n'est pas celle à laquelle il s'attend. Ah, quand on parle du loup. Je peux savoir quelle est cette mission et pourquoi je suis obligée de m'habiller comme ça. Quoique, vous êtes aussi ridicule que moi. Ta mission va être très simple et sympa. J'ai l'air d'avoir envie de m'éclater. Ne me coupe pas. La personne qui a fait appel à toi, c'est Iri. La mioche. Elle a organisé une fête costumée et elle a eu l'idée de cette mission pour te faire te déplacer. Plutôt maligne, la petite. Elle a aussi souhaité te mettre un duo pour t'accompagner. Je ne sais pas si je dois me réjouir ou non qu'il ait réussi son coup. Et avec qui dois-je me rendre à cette superbe fête? Comme me l'a dit Eri, vous formez un duo de choc, et vous vous complétez bien. L'un est extraverti, tandis que l'autre, coléreux à ce point. Il s'agit de... Des tortues. Non, ce n'est pas Kirishima, mais... Excusez-moi du retard, une jante demoiselle a musculé ma douce personne et j'ai été décoiffée. J'ai dû me refaire une beauté en urgence. Sérieusement, la paillette géante! Sur ce, Aoyama, tu connais ta mission. Le rendre présentable. Rejoignez-moi rapidement. Présentable? Ose me toucher, je t'explose! Allez, Baku chérie, viens là que je brosse ta rêche, chevelure. Ah! Non mais ça ne va pas! Je ne m'attendais pas à ce que tu te laisses autant faire. Ah! Je suis toi et tu es moi! Je suis si resplendissant, si je le pouvais, je m'épouserais. Mais je fous quoi dans ton corps? Comment veux-tu que je le... Oh, j'ai compris mieux ce que m'a dit la demoiselle. Hein? La fille que j'ai malencontreusement percutée m'a dit ne toucher personne, sinon je risquais de changer physiquement. Et tu dis ça que maintenant? Ma magnifique chevelure passée avant. Ça dure combien de temps? Environ 2 heures. 2 heures? Il y a une solution. Balance! Il suffit juste de se percuter violemment à nouveau. Enfin, sauf si tu souhaites rester ainsi. Prépare-toi! Avec plaisir. 3, 2, 1, go! Attends, pas si vite! Quoi? Et si on restait ainsi pour 2 heures? Me voir me comble de bonheur. Mais arrête de froncer les sourcils, tu déformes mon doux visage. Je m'en contrefiche que tu veuilles voir ta face de rat! Trouve-toi un miroir, marie-toi avec! Bref, je m'en fous! Mais moi, je veux reprendre mon corps! Vous m'avez coupé dans ma sieste. Maintenant, silence et vous venez. Après avoir retrouvé mon corps, la chenille, faites quelque chose! Ce n'est pas son alter, mais celui de quelqu'un d'autre. Alors, je ne peux rien faire. Bref, je vous laisse 5 minutes pour vous décider. Le blondinet reste là! Oh, regarde, Yairi. Eri, chérie, tu veux un câlin de ma douce personne? N'essaye même pas!